Bourgoin-Jallieu sous les eaux, entre Rhône et Isère, c'est tout le nord du département qui fait les frais des caprices de la météo. Depuis une trentaine d'années, le CEMAGREF mène des recherches sur les risques naturels. Ses chercheurs ont mis au point une méthode originale, la méthode inondabilité. Elle permet d'évaluer les risques d'inondation et de les prendre en compte dans la gestion du territoire et son aménagement. Lorsque survient une inondation, elle ne provoque pas les mêmes dégâts si l'eau recouvre les champs ou si elle envahit un quartier de ville. La vulnérabilité aux inondations varie de façon importante selon l'utilisation des sols. Donc il y a une première carte qui représente l'occupation des sols et on voit bien apparaître pour chaque type d'occupation des sols une couleur différente. Alors en particulier les friches en bleu, les zones de forêt, les zones de culture céréalière, culture de fourrage, et puis dans les zones urbaines, on peut dissocier les zones résidentielles, des zones d'activité ou des équipements sensibles. Et puis le deuxième type de carte, ce sont donc les cartes cette fois qui représentent l'aléa, c'est-à-dire le fonctionnement hydraulique de la rivière. Donc la crue la plus fréquente, c'est celle qui reste dans le lit de la rivière. Et puis les crues plus rares, jusqu'à la crue extrême. Ici, on a simulé la crue millénale qui vient inonder donc la zone maximale qu'on voit ici en bleu clair. Et puis, donc la carte de synthèse, c'est finalement le croisement de ces deux informations. Et donc, on voit bien apparaître des zones qui restent en jaune, c'est-à-dire en dehors de la crue maximale simulée. En vert, les zones qui sont inondées, mais de manière tolérable, on accepte qu'elles le soient inondées, vu leur occupation des sols. Et puis en rouge, des zones qui sont inondées trop fréquemment par rapport à l'usage qu'on fait des parcelles en question. Nous sommes donc en présence de deux facteurs, la vulnérabilité et l'aléa qui, lorsqu'on les croise, définissent si un secteur donné connaît ou non une situation de risque. Donc on fait faire des levées topographiques sur le terrain qui permettent derrière de faire tourner les modèles qu'on utilise. On essaie de valoriser toutes les sources d'informations qui sont disponibles. En particulier, quand il y a eu une crue historique un peu qui a été observée, éventuellement qui a donné lieu à des photos aériennes, on essaye de récupérer cette information. L'objectif de cette méthode consiste à déterminer les aménagements qui vont permettre de supprimer les zones trop fréquemment inondées. Ces aménagements modifient l'incidence des crues ailleurs. Dans les phénomènes d'inondation, il n'est pas possible d'isoler une partie de la rivière. Tout aménagement réalisé dans un lieu donné a une incidence sur la façon dont l'eau s'écoule et induit des répercussions ailleurs. Cela signifie que ce n'est pas nécessairement à l'endroit où il y a eu les inondations qu'il faut réaliser des travaux. Avant d'engager des travaux, il faut donc vérifier si le phénomène est particulièrement rare ou non et si les aménagements envisagés ne vont pas induire des risques plus importants dans des secteurs plus sensibles. Concrètement, l'étude d'inondabilité de la Bourbre a eu deux résultats, la modification du plan d'occupation des sols et la création de bassins de rétention. Actuellement, le réflexe initial autour de la gestion du risque, c'est de dire le risque ne se négocie pas, en particulier s'il y a risque humain, et donc un réflexe qui est très sécuritaire. L'intérêt de la méthode d'inondabilité, c'est pourtant de donner une plateforme de négociation qui permette aux gens d'exprimer un risque maximal acceptable. Le rival, bon, le contexte hydrologique est assez différent puisqu'on est dans un bassin versant plus rural avec des enjeux urbains moins forts que sur le bassin versant de la Bourbre. On a quand même la ville de Beaurepaire qui pose des problèmes actuellement. Et là encore, où l'étude d'inondabilité qu'on a menée a mis en évidence le fait que
si on était capable de favoriser les débordements à l'amont de la ville de Beaurepaire ou de limiter les ruissellements du bassin versant vers la rivière en piégeant une partie de l'eau sur les terres agricoles qui étaient encore à une vulnérabilité modérée, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vulnérables du tout, on avait une possibilité d'améliorer très nettement la situation hydraulique de la zone urbaine de Beaurepaire et des quelques centres bourgs ruraux qui sont situés le long de la rivière à l'amont de Beaurepaire. Il y a une prise de conscience qui se fait au niveau des agriculteurs. C'est vrai que les agriculteurs, ils ont conscience, ma foi, qu'effectivement, il vaut quand même mieux protéger les zones urbanisées et les zones habitées que les zones agricoles, dans la mesure où il y a une compensation. C'est-à-dire que le principe qui sera sûrement amené à mettre en place, c'est un système un peu d'indemnisation en cas de perte de récolte. Mais l'étude des risques d'inondation ne doit pas faire oublier que l'eau des rivières est avant tout une ressource. Les aménagements nécessaires sur le plan hydraulique ne doivent pas défigurer un site. Il faut préserver l'intérêt paysager et l'environnement associé à l'écosystème d'une rivière. Tous ces aménagements doivent aussi permettre de développer l'attrait touristique du site.